Bienvenue sur Mandarin TV, la seule chaîne de télévision franco-asiatique de France. Actualités, débats, interviews, reportages, tout est sur la chaîne YouTube de Mandarin TV. Pour vous abonner, c'est très simple. Tapez Mandarin TV YouTube et cliquez sur s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la clochette à droite pour être informé des nouvelles émissions. Suivez-nous. 欢迎订阅欧视TV YouTube视频网站，随时随地观看中法热点事件。请输入Mandarin TV YouTube，点击 Subscribe，也可以点击右边的小铃铛，以随时接到订阅提示。敬请关注欧视TV YouTube的视频网站。法国风城一月有余。 在上一期的节目里，我们的镜头展现了夕阳余晖照射下的巴黎。今天呢，我们选择将镜头瞄准阳光明媚下巴黎的风姿。En France, le confinement a duré plus d'un mois. Dans le précédent épisode, nous avions choisi de montrer quelques scènes nocturnes de Paris. Aujourd'hui, nous braquons nos projecteurs sur une capitale française qui brille sous le soleil. De temps en temps, nous croisons des passants dans leur quartier. Comment ont-ils vécu plus d'un mois de confinement? Voilà, un gros manque de liberté. J'ai perdu mon travail, donc voilà, c'est compliqué. Il faut réussir à revivre avec tout ça. Alors, je me suis mise à la couture. Voilà, je couds des masques, je m'occupe de mes enfants, je leur fais faire les devoirs, un peu de sport et de la cuisine. Okay, moi je suis professeure de sport, donc voilà, pour l'instant la reprise elle n'est pas pour tout de suite. Pourquoi vous portez un masque? Pour les autres essentiellement, pour protéger les autres, pour rassurer ceux qui peuvent avoir peur des microbes. 我们正驱车路过巴黎塞纳河畔，往日十分吸引外国游客的旧书摊。不知旧书摊主这个月是怎么度过的？不用介绍，大家也知道，我们来到了举世闻名的巴黎圣母院。禁令下的巴黎圣母院愈加宁静，愈加神秘。 Notre voiture passe à côté des bouquinistes qui, en temps normal, attirent d'innombrables visiteurs étrangers. Comment ont-ils vécu ce mois de confinement? Inutile d'en dire plus, oui, nous sommes devant Notre-Dame de Paris. En cette période si spéciale, ce célèbre monument historique paraît plus mystérieux encore. Donc, depuis un mois de confinement, je suis principalement resté à la maison. Je suis sorti pour faire quelques achats, faire 20 minutes de footing une fois par semaine. Après, je pense qu'il aurait fallu peut-être le faire un peu plus tôt pour éviter que ça se propage. Maintenant, nous sommes arrivés au centre de Paris. Ici, le plus intéressant, c'est le Paris Grand Gouvernement. Nous voici en plein centre de Paris. L'endroit qui attire le plus le regard est la place de l'Hôtel de Ville. En général, je reste dans mon quartier, ça veut dire que je reste en Liban, mais je n'ai pas été très loin. J'aime bien aller plus loin, je vais aller le métro, et je ne prends plus le métro depuis deux mois, presque un mois et demi. Donc ça manque. Point de vue quotidien, voir les gens. Et ça, c'est remarquable. Point de vue social. Point de vue social. Et ça, c'est une difficulté. Maintenant, je suis pour faire attention à la maladie, parce qu'il existe. Vers 4h, nous sommes arrivés à la ville mondiale, de la France, de la ville 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 de la
Vers 4 heures de l'après-midi, nous voilà sur la célèbre place Vendôme, considérée comme la rue financière de la France.从旺多姆广场出来，我们途经圣奥诺街、香街、乔治五世大街，来到了埃菲尔铁塔。Ensuite, nous traversons la rue Saint-Honoré, les Champs-Élysées, l'avenue Georges V, avant d'arriver à la Tour Eiffel. Ici, plus de visiteurs que d'habitude. Certains se promènent avec leurs enfants, d'autres se mettent à danser, signe que les Parisiens aspirent à vivre une vie normale. C'était un mois plutôt calme, du coup. On l'a vécu à la maison, en famille, avec nos enfants, en espérant que tout redevienne comme avant très vite et qu'on entende des bonnes nouvelles. Donc on était branchés aux infos toute la journée. 封城一个月之后，法国卫生局的数字显示，疫情蔓延已经开始得到控制，每天住院和病危患者的人数在下降。这也许就是为什么今天行人多于前几天的原因吧。Un mois après le confinement, les chiffres de la Santé publique France montrent que l'épidémie commence à être sous contrôle, car le nombre de patients hospitalisés et celui des patients en réanimation baissent. C'est sans doute la raison pour laquelle on trouve plus de patients qu'il y a quelques jours. 只要耐心熬下去，只要坚持撑下去，就能走到终点，收获幸福，就能守得云开，看见明月。Du moment que vous êtes armé de patience,Du moment que vous persévérez, vous parviendrez à vos fins pour atteindre le bonheur. Vous finirez par voir les nuages se dissiper pour apercevoir la pleine lune.